ancien salarié du GEC et je suis cylindreur d'enrobé chez Eurovia. Alors avant d'arriver chez Eurovia, ma problématique elle était surtout financière, c'était compliqué, moi j'avais que le chômage. J'ai été pris par Eurovia en CDI tout de suite, ils m'ont fait confiance. Quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est quand même super quoi. Bon, des fois il pleut, mais on fait avec, mais on aime ça quand même, travailler dehors plutôt que travailler dans un bureau. C'est quand même une grosse boîte, ils ont du super matériel quoi, et du neuf, et on a quand même des super engins entre les mains. Au niveau familial et social, j'ai repris énormément de confiance en fait. Ça a redonné un sens à ma vie et à ma carrière en fait chez Eurovia. Je m'appelle Youssef, je suis maçon VRD chez Eurovia. Je suis arrivé en France en 2018 et j'ai commencé le projet en 2019. Quand je suis arrivé en France, la vie c'était compliqué parce que j'avais un problème au niveau de la langue française. Aujourd'hui, je suis content que j'ai un diplôme en maçon VRD. Depuis que je suis en CDI chez Eurovia, ma vie a changé. J'ai confiance en moi et ma famille ils sont fiers de moi. Ça m'a donné un sens à ma carrière et j'espère finir ma carrière chez Eurovia. Alors je me présente, Adrien, maçon VRD chez Eurovia. Avant d'être au GEC, j'étais gérant de restaurant. J'avais vraiment envie de changer de métier, de pouvoir avoir une vie de famille. J'ai rencontré le GEC qui m'a envoyé donc en formation avec Eurovia. J'ai passé mon diplôme, j'ai été embauché en CDI. Nous avons reçu Youssef, qui vient d'Afghanistan, qui a commencé sa formation aussi avec le GEC, avec qui ça s'est très bien passé, qui maintenant est en CDI. Grâce à Eurovia, maintenant, j'ai une vie de famille, des horaires fixes. Je me sens très bien, je travaille à l'extérieur et je fais un métier surtout qui me plaît. J'espère pouvoir évoluer chez Eurovia. L'entreprise me donne la possibilité d'évoluer, donc je vais essayer au maximum de le faire.